C'est sûr que vu les conditions de jeu et puis tout simplement la difficulté du parcours, en fait, c'est tout simplement un très bon tour. Très difficile de se mettre sur les fairways avec autant de vent. On a un vent qui tourne de temps en temps, on va 3 voire 4 clubs, donc c'est compliqué. Peut-être pas 4 clubs, mais faire un tour comme ça aujourd'hui, c'est très bon. Normalement, j'aurais répondu mettre la balle sur le fairway, c'est vraiment quelque chose de très important ici. Après, moi, j'ai passé un peu de temps quand même dans les roughs aujourd'hui. C'était dur de la mettre sur le fairway avec beaucoup de vents latéraux et puis même des trous très longs joués plein en compte. Donc, il y avait vraiment du taf. Après, comme n'importe quel endroit, de toute façon, si on se met un peu à peuter et que le niveau de jeu est bon, ça suffira pour descendre un peu. Et c'est vrai que le putter a plutôt bien fonctionné aujourd'hui, ce qui me soulage bien, parce que c'est pas normalement mon meilleur club. Donc si je peux réussir à prendre de la confiance avec ce qui a été fait aujourd'hui, ça sera top. Oui, c'est sûr, ouais, ce putt au 12 qui est comme s'il y avait un aimant qui l'a tiré au trou. Clairement, je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à là, donc c'est vrai que c'était un bon moment dans la partie. Après, le vent, au niveau du fait que ça ne soit pas forcément un parcours pour les longs frappeurs, je ne sais pas faire que ça non plus. Et le vent peut de temps en temps aussi permettre de jouer des trous de différentes manières. Donc les trous plein vent compte, ça peut effectivement m'avantager de pouvoir laisser la balle assez basse et qu'elle parcourt quand même pas mal de chemin. Après, il y a aussi beaucoup de trous, je pense, là où beaucoup de mecs ont tapé le drive et là où du coup, moi, je me suis simplement reposé en tapant un coup de fer 3 pour la mettre fairway parce que c'est vraiment ce qu'il y a d'important ici. Donc c'était un bon course management tout au long de la journée. Thank you.